Jetons un œil à cette moto. C'est une Janus Alcyon 250, parée d'accessoires en laiton et d'une finition cuivrée. Ensuite, observons bien cette sculpture. Elle est abstraite, mais on pourrait y voir une liane tentaculaire qui se meut dans l'espace. Puis, prêtons une oreille attentive à la musique. Ocarina, didgeridoo et percussion. Le morceau s'appelle Cactus on Mars, un nom qui nous rappelle la sculpture. Ces trois créations sont l'œuvre d'une seule et même personne, un artiste pluridisciplinaire basé à New York qui s'appelle Mark Atterbury. Les sculptures de Mark sont en acier forgé et soudé. Elles s'inscrivent dans un univers visuel qui est le produit de deux observations, celle de la nature et celle de l'espace. La musique de Mark est minimaliste, pure et charnelle. C'est ce qui séduit particulièrement les compagnies de ballet ou de danse moderne qui lui passent commande. Les motos personnalisées de Mark sont nées de l'idée suivante. Appliquer sur leur carrosserie le même type de patine que sur les sculptures. Pour une première réalisation, la Harley-Davidson Sportster 883 Iron s'est révélée un bon choix par son absence de détails chromés. Mark a remplacé ou retiré tout ce qu'il pouvait pour obtenir un bobber épuré. Puis, avec une patine ferrique et des couches de vernis mat, il lui a donné un aspect rouillé. Pour la deuxième réalisation, la Janus Alcyon 250 s'est imposée comme une évidence à Mark. Janus est une entreprise fondée en 2011 dans l'Indiana qui fabrique à la main des motos de petite cylindrée. Le nom de la marque sied parfaitement à la production de motos néo-rétro car le dieu romain Janus avait deux visages, l'un tourné vers l'avenir et l'autre vers le passé. Le design de l'Alcyon 250 est inspiré des board trackers du début du XXe siècle. C'est ce charme suranné qui a séduit Mark d'emblée. Il a donc commandé un modèle d'usine auquel il a apporté ses propres modifications. Selle, guidon, échappement, ainsi que phare, rétro et repose-pied en laiton. Puis, il a cherché une teinte qui se marierait bien avec ses accessoires, du brun à reflets métalliques. Les couleurs ont une place importante dans l'art visuel de Mark. Il sait qu'elles peuvent procurer des émotions ou nous ramener dans le passé. En donnant une teinte rouillée à la Sportster, il crée l'illusion d'une moto restée à l'abandon pendant des décennies. Avec l'aspect cuivré de l'Alcyon, il nous entraîne à l'époque de Jules Verne et des machines à vapeur. Pour sa prochaine réalisation, on peut se demander à quelle période il nous transportera. Cela pourrait être l'Antiquité, à la rencontre des divinités païennes qui, comme Janus, ont donné leur nom à des marques de moto. Hercule, Mars, Minerva, Thor, Triton, et d'autres encore, mais nous avons oublié leur nom. Vous les connaissez? Postez-les dans les commentaires. Merci et à bientôt.